Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Beyblade X. Donc aujourd'hui je vais vous faire la review, présentation et test tout simplement d'un random booster. Donc là ça va être le full set, étant donné que cette fois-ci j'ai pu me procurer les 3 toupies qu'il y a dans ce full set. En effet, dans chaque random booster, normalement, on est censé avoir plusieurs toupies avec des blades différents. Or, cette fois-ci, on va retrouver du coup, dans le random booster, le BX16 Vapeurtail, 3 toupies, tout simplement. Donc cette fois-ci, il n'y en a pas plus, il n'y en a vraiment que 3. Et 3 toupies avec le même blade et des pièces différentes au niveau du ratchet et du bit. Donc je trouve ça très intéressant, car ça nous permet tout simplement de pouvoir jouer le blade que l'on aime et ensuite pouvoir changer les différentes pièces. Donc tout simplement, garder la Price Bay en collection. Donc bien sûr les amis, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, c'est très important, afin que vous soyez averti dès que je sors une vidéo. Et maintenant les amis, c'est parti pour la présentation du Random Booster. Donc c'est parti pour la présentation tout simplement du Random Booster. Donc on peut voir, c'est bien un produit de chez Takaratomy. Il s'agit du Random Booster, le BX16 Vapeurtail. Et j'ai oublié de le spécifier, c'est un random booster, c'est-à-dire que quand vous achetez un booster seul, vous allez avoir une de ces toupies aléatoirement, tout simplement, dans votre boîte. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille, voilà, si vous aimez les 3 toupies, si vous avez envie d'avoir les 3 toupies à garantie, il vous suffit tout simplement d'acheter un full set. Dans ce cas-là, vous allez avoir 3 random boosters, comprenant chacun une des toupies que vous allez avoir. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Et donc, c'est bien parti de la génération de Beyblade X. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on va retrouver 3 types de Vapeurtail différentes. Tout d'abord, on va retrouver la Price Bay, du coup, la Vapeurtail 580O de type Endurance, la Vapeurtail 460F de type Attaque, et enfin, on va retrouver la Vapeurtail 380HN de type Défense. Et je trouve que leur coloris est plutôt stylé. Donc, en plus, ça me va, moi, que leur Price Bay soit justement de cette couleur-là, rouge, car comme ça, moi, je préfère largement jouer la version noire. Donc, en plus, avec les pièces de type Attaque. Donc, là, voici tout simplement. Donc là, je vous ai montré qu'une boîte de random booster. Là, pendant, c'était pour avoir la deuxième toupie, donc la toupie de type attaque. Et voilà les différentes pièces que l'on va pouvoir retrouver directement pour la Price Bay. Donc là, il nous montre justement le bit, le ratchet et le blade de la Vapeurtail super rare. Donc c'est parti, les amis. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc au niveau des pièces, tout simplement, donc là, on va retrouver les blades, les ratchets ainsi que les bits. Donc on va tout simplement commencer par présenter la première, enfin la première, c'est plutôt la troisième. Donc c'est la toupie de type défense, voilà, il s'agit de la Vapeurtail jaune. Donc je la trouve plutôt sympa. Comme vous pouvez voir, elle est plutôt jolie. Et du coup, le Vapeurtail, forcément, on va retrouver ici le cobra en avatar qui est juste magnifique. Donc moi, j'aime beaucoup. Déjà, j'aime bien la forme du blade qui est quand même assez... assez bien formé, du coup il est assez rond, avec quand même certains petits impacts, donc je pense que ça va être assez intéressant de trouver justement, d'avoir différents types, pour pouvoir tester cette toupie. Ensuite ici on va retrouver ici une lame qui est montante à chaque fois, donc on va retrouver 3 grosses lames montantes, ici, ici et ici, donc c'est plutôt pas mal. Et là on a du coup l'arrière bien jaune à nid d'abeille, je trouve ça super joli. Et personnellement, j'aime beaucoup ce blade. Donc voici le ratchet 380, donc on peut voir ici 3, donc on va ici retrouver forcément 3 points, 3x 3 sens, ensuite 80 pour 8 mm de hauteur, donc c'est déjà, c'est plutôt pas mal, au niveau de la hauteur je trouve, au niveau du, pour une toupie de type défense, donc voilà, je trouve assez sympa, assez stylé, et on va tout de suite aussi d'ailleurs le voir tout à l'heure dans l'arène pour un petit peu son comportement. Au niveau du bit, on va trouver le bit HN pour High Needle. Donc c'est un bit de type défense et sous Beyblade de... Donc c'est un bit de type défense et sous Beyblade X, justement, les pointes de type défense sont pointues. Tout simplement. Alors qu'avant, c'était souvent préconisé pour les toupies de type endurance. Donc c'est assez intéressant. Et là, on va retrouver les dents qui ne montent pas tout à fait en haut, justement, comme sur la Phoenix. Donc là, forcément, elle aura quand même des bons points d'accroche au niveau de la X-Line, tout simplement. Et au niveau du coloris, pareil, on va le retrouver en jaune ocre, tout simplement pour bien aller avec le reste de la toupie. Au niveau du montage, comme d'habitude, c'est pas très compliqué. On va prendre le blade, le ratchet qu'on verrouille, et ensuite on va y mettre le bit à l'intérieur, tout simplement. Et la voici, regardez, tout simplement monter cette Vapeurtail 380 HN. Qui est magnifique, voilà, tout simplement, elle est super stylée, j'ai même un petit peu de l'avoir en test et en battle. Ensuite on va passer à la deuxième Vapeurtail, donc c'est la Vapeurtail de type attaque, et celle-ci est de couleur noire, donc comme on peut voir, on voit bien son nid d'abeille noir. Pour moi c'est ma Vapeurtail favorite, tout simplement, donc c'est, je pense, celle que je vais jouer le plus,
Après, au niveau des formes et du design, elle est exactement comme la première Vapotail que l'on a vu de type défense. Il y a juste le coloris qui change au niveau du blade, tout simplement. Donc personnellement, il me tarde de pouvoir la tester et je pense faire des combos très intéressants avec. Au niveau du Ratchet, on a donc un Ratchet qui lui aussi est noir, c'est le 460. Donc on va retrouver ici forcément 4 excroissances au niveau de ce Ratchet et pour une hauteur de 6 mm, donc il est quand même très très bas. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que d'habitude, voilà, on utilise souvent des pièces assez basses pour que notre toupie de type attaque puisse donner des uppers en tapant du bas vers le haut. Donc je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir ce type de Ratchet pour cette toupie de type attaque. Et enfin, voici le bit flat. Donc pareil, bit qui est parfaitement constitué pour une toupie de type attaque. C'est-à-dire qu'on va retrouver ici une très grande surface plate qui va lui donner un mouvement très très agressif dans l'arène. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut pour une toupie de type attaque. Et pareil, avec des dents qui vont bien pouvoir prendre la X-Line. Donc là, c'est plutôt assez cool. Au niveau du montage, ça va être comme la première. Il suffit de nous mettre ici le ratchet. On verrouille. Et on n'a plus qu'à y mettre notre bite. Et voici la Vapotail de type attaque noire, tout simplement montée. Et enfin, voici du coup la Price Bay. Donc, c'est la Vapotail de type endurance, la 580O. Et voilà, qui elle est de couleur rouge-orangée, mais assez claire et sombre. Enfin, assez claire et sombre. Donc, voici la Vapotail, la Price Bay. Donc, c'est la type endurance, la 580O. Tout simplement. Donc là, on voit bien que le blade, lui, est rouge, avec l'avatar bleu, donc ce sera plutôt intéressant. On a exactement les mêmes trois avatars, d'ailleurs, on a le même design au niveau du cobra. Et là, on voit bien le rouge avec ce nid d'abeille qui est juste magnifique, et l'intérieur bleu pour cette jolie copie. Et au niveau du blade, on peut donc retrouver le blade de la Price Bay. Donc lui, il est rouge avec l'avatar qui est bleu, juste sublime. D'ailleurs, on a exactement le même design au niveau des cobras de ces trois toupies. Et là, on voit bien le côté rouge, nid d'abeille tout simplement, de ce blade qui est juste magnifique. Ensuite, on va retrouver le Ratchet 580. Donc 5 tout simplement pour les 5 excroissances que l'on a ici sur la partie bleue extérieure. Et ensuite, on va retrouver une partie rouge, orange et sombre tout simplement, qui lui par contre a une hauteur au total de 8 mm, donc pareil, c'est pas le plus haut, c'est pas le plus bas, donc je trouve que c'est un joli compromis, et en plus il est vraiment super stylé sur la chaîne, j'aime beaucoup. Donc on verra aussi un petit peu le comportement, ce que ça peut donner plutôt dans le futur au niveau des combats. Et au niveau du bit, tout simplement, on va retrouver le bit haut, donc pour orbe. Donc lui, il est facilement reconnaissable aussi, car on a exactement une surface, en forme de boule, tout simplement, avec ici la partie pour attraper la X-Line. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, donc elle, c'est une toupie de type endurance, mais il préconise maintenant, sur WDX, d'avoir des bits en forme, justement, de demi-sphère, tout simplement, pour pouvoir avoir aussi une très très bonne accroche et une bonne endurance dans les arènes WDX. Donc au niveau du montage, c'est pas compliqué, on prend le blade, le ratchet, qu'on verrouille, et ensuite on n'a plus qu'à y mettre le bit, et voici cette superbe Vapotail 580O, elle est juste magnifique cette toupie, franchement, j'aime beaucoup les Vapotail, et je pense que celle-ci, voilà, il y a des pièces qui sont vraiment très intéressantes, donc j'espère les retrouver dans différentes prochaines toupies, pour éviter justement de jouer les pièces de la Vapotail, qui est celle-ci, la Price Bay.
Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Donc dites-moi un petit peu dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ces trois toupies. Moi, personnellement, je les trouve vraiment très très bien. Donc, ne serait-ce que au niveau esthétique, elles sont super belles. Et en plus, voilà, au niveau des caractéristiques et des compétences, vous avez pu voir que, franchement, c'était plutôt très très intéressant. Donc, il y a moyen de faire vraiment des combos très très cool avec. Donc, merci à tous d'avoir visionné la vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Nous, on se dit donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos, bien sûr. Donc, passez une excellente journée et on se dit à très bientôt. Salut à tous.